Mes chers compatriotes, le 15 février est une journée dédiée à la lutte contre le cancer de l'enfant. Chaque année environ, 400 000 cas de cancer sont diagnostiqués chez les enfants. Les plus courants sont les leucémies, donc le cancer du sang, le cancer du cerveau, les lymphomes, le rétinoblastome et la tumeur de Wilms. Contrairement aux adultes, les facteurs de risque ne sont pas clairement identifiés. On incrimine l'infection à VIH, l'infection à virus d'Epstein-Barr, le paludisme, l'hygiène bucco-dentaire défectueuse et les prédispositions génétiques. L'enfant est un être en croissance. Les données relatives au cancer de l'enfant ne sont pas les mêmes que chez l'adulte. Nous pouvons noter que le dépistage du cancer n'est pas systématique chez les enfants, que le cancer se développe très rapidement au bout de quelques semaines, que le cancer de l'enfant a une meilleure réponse thérapeutique aux anticancéreux génériques de la chimiothérapie de base inscrits sur la liste de l'OMS des médicaments essentiels à usage pédiatrique, que le taux de guérison avoisine 80% si le diagnostic est posé tôt et un traitement adapté instauré dans le délai. Dans les pays à faible revenu comme le nôtre, le taux de guérison est de 30% pour plusieurs raisons, notamment le diagnostic tardif, l'accès difficile au traitement, l'abandon du traitement, la toxicité des anticancéreux et les rechutes. Les signes sont banals et dominés par de la fièvre, les céphalées sévères, douleurs osseuses, amaigrissement et parfois une masse qui passe souvent inaperçue. Mes chers compatriotes, le cancer de l'enfant apparaît de manière insidieuse. Le diagnostic correct précoce et une thérapie efficace sont les principales stratégies de lutte. La vaccination contre les hépatites et le papillomavirus humain est capital chez l'enfant, non pas pour le protéger contre les cancers pédiatriques, mais prévenir certains cancers à l'âge adulte. L'Afrique compte dans son ensemble 22 unités hospitalières pilotes spécialisées en cancérologie pédiatrique dans 18 pays appuyés par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique en sigle GFAOP. Sur les 22 unités au niveau continental, la République démocratique du Congo compte 2 unités hospitalières pilotes spécialisée en oncologie pédiatrique au niveau des cliniques universitaires de Kinshasa et celle de Lubumbashi. Mes chers compatriotes, votre ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention travaille en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie atomique, certaines organisations des Nations unies et partenaires pour, d'une part, accroître l'engagement politique de lutte contre le cancer de l'enfant, améliorer l'accès aux médicaments et technologies essentielles, mettre en place des services d'oncologie pédiatrique, d'élaborer des normes et outils pour la planification de solutions locales complètes de cancer de l'enfant, et d'autre part, rompre la barrière financière d'accès aux soins appropriés dans le cadre de la couverture santé universelle, vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive la lutte contre le cancer de l'enfant, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.